Merci, Madame la Présidente. Le Conseil européen a parlé de la Turquie, de la Chine, de la Biélorussie, du Haut-Karabakh. Nécessaire. Vraiment bien. Le monde veut entendre la voix de l'Europe, même si elle est un peu timide. Mais nous, Européens, nous voulons aussi entendre la voix de l'Europe lorsqu'il y a des abus et des violations de droits fondamentaux à l'intérieur de nos frontières. N'y a-t-il rien à dire sur un État qui destitue deux présidents consécutifs d'une minorité nationale pour des raisons strictement politiques? N'y a-t-il rien à dire sur un parquet proposant un programme de rééducation constitutionnelle pour les prisonniers politiques? N'y a-t-il rien à dire sur un État qui condamne la plus importante université du pays pour avoir exigé la libération de prisonniers politiques et défendu la liberté d'expression? Pour être crédible, pour être influent ailleurs, le Conseil devrait aussi parler de tout ça. Merci.